bon après-midi à tout le monde. Fait que là, après-midi, on est rendu à Longue Pointe de Mingan. On a décidé de prendre une petite marche sur le bord du rivage. Où je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'il y a à voir là. Parce que dans le fond, c'est comme caché par, par les herbes. Puis, on doit faire 2-3 heures au moins qu'on roule. Mais tu sais, tranquillement, là, 80-90, on arrête un peu pour aller voir qu'est-ce qui se passe. On explore un petit peu les petits chemins. Puis là, notre but aujourd'hui, c'est de se rendre jusqu'à Havre-Saint-Pierre. On va essayer de se réserver un camping. Mais c'est difficile comme c'est là. Hein? On a du réseau à moitié. Puis en même temps, c'est pas tant évident quand on veut explorer un peu. On n'a pas toutes les cartes parce que j'ai pas téléchargé les cartes directement sur mon téléphone. Ah, beau petit rivage, beau petit rivage. Il y a comme un grand trottoir aussi. C'est cool. Fait que je pensais explorer un petit peu les chemins un matin en m'en allant vers Havre-Saint-Pierre. Mais c'est ça, on me suis fait avoir parce que ben des plages justement là qu'il n'y a pas de signal. Fait que les cartes sont pas tant visibles. Là. C'est vraiment des détails là, sommaires. Mais quand tu vas aller voir plus les petits chemins, s'il y a des maisons, puis si elles sont accessibles de la route jusqu'à la rive, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, ben on voudrait dire merci au beau petit camping municipal de la municipalité d'Havre-Saint-Pierre. Ça nous a permis de prendre notre petite douche, là. Ouais, on est frais. Puis en plus de ça, eux autres ont compris le principe, là. Comme c'est là, il n'y a pas de place dans le camping. C'est normal, on n'a pas réservé, mais ils ont un overflow. Ouh, j'ai le nez rouge. C'est beau avec les lunettes bleues. Puis c'est un service qui est un peu à la carte, en grosse parenthèse, là, parce que dans le fond, là, ça nous coûte deux fois moins cher parce qu'on n'utilise pas tous les services, mais ils nous laissent quand même à se promener sur le camping. Puis nous autres, on a utilisé les douches. Les douches sont gratuites en plus, fait que ça fait du bien de l'eau chaude. Après, je pense que Adèle disait c'est une douche aux 5 jours. Quand même, ça a bien de l'allure. Fait que là, ben, on s'en va profiter un peu d'Havre-Saint-Pierre, le centre-ville. Le mini-centre-ville, il y avait bien du monde, fait que c'est ça. Elle a une demande spéciale. On va-tu au centre-ville? Ben, pourquoi pas, hein? De toute façon, on est ici pour ça, profiter un peu de Havre-Saint-Pierre, même si avec le chien, on peut pas vraiment aller sur les îles. Puis en plus, ben Havre-Saint-Pierre, c'est plus comme un transit parce que nous autres, notre destination ultime, c'est Kegaskus. Ça fait que, tu sais, Havre-Saint-Pierre, on passe par là, ça fait que c'est sûr qu'il faut qu'on arrête. C'est comme un incontournable, hein? C'est ça qui est ça. Fait que là, on s'en va faire une petite ride de char dans le centre-ville, puis on va aller prendre une petite marche, aller voir ça. Ce fut une petite intermède au centre-ville de Havre-Saint-Pierre. Question de se dégourdir les jambes un peu, finalement. Il y a un beau petit quai. Puis bon, ouais. Je pensais pas que j'aurais fret de même, ça fait que là... Ça a écourté un peu notre promenade, puis en même temps, ben, je pense qu'on a fait le tour en 2 minutes. C'est sûr que le monde, quand ils viennent à Havre-Saint-Pierre, c'est pas nécessairement pour... Oh, je rentre peut-être un peu. Ouais, ça fait qu'ils viennent pas nécessairement pour le centre-ville. Ils viennent pour embarquer sur un bateau pour aller visiter les îles. Puis on peut, en tout cas, on l'a constaté. C'est sûr que c'est une ville que gros, on s'est promené un petit peu en auto dedans là, pour on a cherché le camping un petit peu, puis on a viroyé un petit peu. Ce qu'on a pu voir, c'est quand même assez grand, c'est surprenant. Je pensais pas que c'était si grand que ça. Puis, vente. Je sais pas si ça va donner avec le micro, mais en tout cas. Fait que c'est ça, ça on dirait que c'est une ville de service. Tout le monde qui travaille autour de Parc Canada, il y a de l'air à avoir un peu d'industrie. On a vu qu'il y avait... Ouais, c'est ça, il y a du service. Pas ça gaz, un petit BMR, un Rossi. Ça dépend, les Rossi. Puis, c'est ça. Enfin, nous autres, on s'en retourne à notre véhicule. On va se
préparer un petit souper. Puis sûrement demain, pas trop tard, on va retourner sur les routes en direction de Natashquan. Puis après ça, rendu là, on verra ce qu'on va faire. Mais ça, c'est demain. Aujourd'hui, on va aller se frémer un petit souper. Pâte crémeuse, brocoli. Peut-être avec un peu de fromage pour se mettre un peu de protéines là-dedans, puis un petit peu de texture. Fait que, on va aller manger. Ouais, ben voici le beau petit overflow qu'on a à Haut-Saint-Pierre. Peut-être moins chic que plein d'autres que j'ai déjà vu. Mais c'est le meilleur rapport qualité-prix à date, là. On change de bord, on voit ma main. Je pense que ça a coûté comment, Adèle, pour cette affaire-là? En bas de 15$. Ah, c'est ça. Fait que, on en a pour notre argent, parce que dans le fond, on s'est servi des douches qui étaient gratuites avec de l'eau chaude à volonté. Puis là, on est quand même parqué en sécurité. On n'a pas eu à chercher notre spot pour la nuit. Puis, bon, c'est sûr qu'on est un sur l'autre, là. Mais ça fait partie de la game. C'est sûr, quand on réserve pas puis qu'on se ramasse à Saint-Pierre, c'est sûr que c'est une place que tout le monde va aller. Là. Aller voir les monolithes et compagnie. Puis, c'est ça qui est ça, mais on a quand même un beau petit souper. Je vais vous montrer ça. Fait que j'ai upgradé un peu. On a nos petites portes crémeuses là, qui sont là. Avec le brocoli comme je parlais. Là, ici, là. Des petites saucisses à dedans. C'est de la grosse classe, mais avec oignon, patate. Ouais, oignon rouge, oignon jaune et patate grillée. C'est ce qu'on a pour 4. Donc là, qu'on mange ça, on est juste là. Avec ça, ben j'ai sorti une petite bière de road trip. Attendez que je sorte l'étiquette. Elle a trempé un peu dans le cola. La Brut IPA road trip. Yeah. Hey, ça fit-tu avec le setup. C'est vraiment merveilleux. Qui fait ça? En plus que c'est une édition limitée. Guimbo Bistro, brasserie. Puis c'est où ça? Ouais, c'est à Gatineau, en tout cas. On encourage les microbrasseries, même si c'est pas celle d'à côté. Les artisans du Québec sont importants, qu'on les encourage. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que demain, on sera en ligne sur la route, comme j'ai dit, vers Natashquan. Puis, je pense que ça va finir ce petit vlog-là. Direct de même, en vous souhaitant un bon souper et une bonne soirée. Ciao!